Alors on va commencer Bezrat Hashem à parler sur les choses les plus essentielles et les plus importantes que Rabbeinu HaKadosh nous a ordonné de faire. D'abord il faut savoir une chose, c'est que Rabbi Nachman de Breslev ne nous a pas dévoilé de nouvelles choses. Ça veut dire tout ce qu'il nous a dévoilé, ce ne sont pas des nouveaux chemins que personne n'a entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Lui-même il a dit plusieurs fois, il a dit je suis tout ce que j'ai dévoilé, c'est mon chemin, c'est un chemin qui est tout neuf. Mais même qu'il est tout neuf, c'est le chemin que nos patriarches allaient de là-bas. C'est ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi se conduisaient par rapport à ça, et bien pareil. Ça veut dire en fait, Rabbeinu HaKadosh, il a parlé sur des points que tous les tzadikim ils ont parlé. Mais Rabbeinu HaKadosh, il a dit, vous voyez ce point-là, ça c'est l'essentiel. Ce point-là, là, ça aussi c'est l'essentiel. Et comme ça, sur plusieurs points, il a fait que ce point-là, c'est l'essentiel, et ce point-là, c'est l'essentiel. Et donc, Bezrat Hashem, on va commencer à parler sur plusieurs points qui sont vraiment importants. D'abord, on va commencer à parler sur les points qui sont pratiques, tactiques, tactiquement, extérieurement, parce que c'est plus facile, donc c'est les choses qu'il faut faire, normalement, extérieurement. Et après, on va parler sur les choses qui sont importantes de faire, qui sont intérieurement. Parce qu'intérieur, c'est un peu plus dur. Extérieur, c'est plus facile. C'est des choses qui sont, c'est des actions qu'un homme, il doit faire. Et d'abord, c'est connu que les chassidim de Breslev, ils ont toujours appelé les choses les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonné au nom de la simcha, la joie. Et pas justement d'afka la joie. Mais les rachetevot de la simcha. Les rachetevot de la simcha, c'est quoi? C'est Shulchan Aruch, Mikveh, Chatzot et Itbodedut. Ce sont les quatre choses les plus importantes de tous, les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonnées. Et avec la simcha, la joie, au-dessus de tout. Alors, Bezrat Hashem, d'abord, on va commencer à parler sur le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. Après, on va faire un shiur sur le Mikveh, après sur Chatzot, après sur Itbodedut, après sur simcha. Et comme ça, petit à petit, en fur et à mesure, on va faire plusieurs shiurim. Des fois, on va parler deux ou trois fois, quatre shiurim sur une seule chose. Des fois, ça ne veut pas dire que les choses sont plus importantes ou moins importantes. C'est parce que sur ça, il y a beaucoup plus à dire et sur ça, il y a moins à dire. C'est des choses qui sont compréhensibles, c'est des choses qui sont normales. La première chose qu'on va parler, c'est sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est une des choses les plus importantes que Rabbeinu HaKadosh nous a ordonné d'étudier tous les jours. Que Chok Velo Yavor, que ce soit une loi et que personne, jamais, on passe cette loi d'étudier le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Sikhot Aran, dans la Sikha 29. Là-bas, Rabbeinu dit, Valimud Poskim Isir Meod Meod, et sur l'étude des Poskim, c'est-à-dire l'étude du Shulchan Aruch, le savoir vivre, comment se conduire. Isir Meod Meod nous a ordonné très fort, Beyoter encore plus, Mikol Alimudim, plus que toutes les autres études. Rabbeinu HaKadosh nous a ordonné encore plus d'étudier le Shulchan Aruch, plus que toutes les autres études. Vera où il ilmod, et normalement on a l'obligation d'étudier Kol Arba Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch, les quatre parties, Orach Chaim, Eved Ezer, Hoshem Mishpat et Yorodea. Ce sont les quatre parties. Le Shulchan Aruch il est fait en quatre parties. La première partie c'est l'Orach Chaim, c'est tous les halachot qui se passent dans le jour-jour. Comment se lever le matin, les fêtes, Shabbat, Pessah, Sukkot, toutes les choses comme ça. C'est le Rachaim. Le Rebéa, c'est tout ce qui se passe, comment les cachériser la viande, le lait et la viande, par exemple, le lin et la laine, tout l'alachot qu'il y a sur la viande, tout l'alachot qu'il y a sur la shrita, sur les tréfotes, sur Nida, toutes les choses comme ça. Et Even Haezer, c'est toutes les alachot sur les femmes, le mariage, le guet, la ktouva, Iboum, Halitza. Et Roshen Mishpat, c'est tout les lois sur ce qu'il y a dans le monde, sur les voisins, pour donner, quand il y a un vol, quand on veut donner un cadeau, quand on veut écrire un shtar, les halachot de comment donner de ribit, comment donner un emprunt, toutes les choses qui touchent l'argent. Alors il dit Rabbi Nathan,
Il faut étudier tout. Pourquoi il faut étudier les quatre parties? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, c'est connu. On n'est pas obligé d'étudier les quatre parties. Pas toujours. Normalement, c'est que les grands juges, les dayanim ou les rabbanim qui doivent étudier les quatre parties du Shulchan Aruch. Nous, ce qu'on doit étudier, c'est que le Rachaim. Comme le Mishnah Brura, il a écrit que sur le Rachaim. Parce que l'essentiel qu'un homme doit étudier, c'est sur le Rachaim. C'est ce qui se passe tous les jours. Sur Shabbat, Filin, la Tfila, Kriat Shema, les fêtes. Eh bien non, Rabbi Nachman, il a dit l'étude du Shulchan Aruch, il est important comme le Rachaim, comme le reste. Et nous, on doit étudier toutes les quatre parties. On doit l'étudier tous les jours, on doit étudier chaque séif, tous les jours un séif du Shulchan Aruch, jusqu'à qu'on termine toutes les quatre parties. Kula Mirosha Matsofam Kaseder. On doit les étudier dès le début, jusqu'à la fin et d'après le Seder. De commencer, depuis Urachaim, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ey, Vav, Zayin, Chet. Pas de sauter, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des minhag d'étudier l'Ilchot Melicha et d'étudier aussi l'Ilchot Nida, de la Chot à foi. Non, des fois, de la Chot à la foi, c'est pas bien, parce qu'après, on est complètement bouleversé. Par exemple, Rabbi Yitzhak, il raconte à Rabbi Nathan, son fils, tout de suite après qu'il s'est marié, qu'il étudie l'Ilchot Melicha et l'Ilchot Nida. La Halachot, comment cachériser la viande et l'Ilchot de Nida. Alors Rabbi Nathan, il écrit dans la Limitroufa, il lui dit, mais je t'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, de ne pas tout mélanger, c'est pas comme ça qu'il faut étudier. Il faut étudier comme Rabbeinu nous a ordonné, à la seder, depuis au début jusqu'à la fin. On prend pas un halakha en plein milieu et on étudie après un autre, ignan. C'est deux choses différentes, après on est complètement troublé, on n'arrive plus à se rappeler comment il faut. Il faut commencer dès le début et jusqu'à qu'on termine, après on recommence dès le début. Mais pas en plein milieu et d'essayer de trouver des choses comme ça. Im yachol ilmod kol arba shulchan aruch im kol apirushim agdolim atod. Il a dit Rabbeinu, et si la personne, elle peut étudier le Shulchan Aruch avec toutes les explications qui sont autour, avec le Char, le Magan Avraham, le Taz, le Primé Gadim, le Be'er Agola, le Be'er Etev, si on peut les étudier avec tout, alors c'est très très bien. Mais s'il n'arrive pas à étudier avec toutes les explications, Al-Kol Panim Ilmot Kol Arba Shulchan Aruch Al-Tanim, au moins il va étudier que le Shulchan Aruch du Maran et du Rama. C'est ce qu'il y a écrit en haut, c'est ce que Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Yisserlich, ils ont écrit le Shulchan Aruch. Et où Tikkun Gadol Meod Meod, il dit Rabbeinu Akadosh que c'est une réparation la plus grande et plus grande de toutes les préparations. D'étudier le Shulchan Aruch, c'est une réparation qui est très grande. C'est pas juste parce que ça nous apprend des lois. À part ça, il y a un Inyan qui est Sgouli. Ça fait une réparation dans l'âme quand on étudie le Shulchan Aruch. Il y a l'idée, alors il explique Rabbeinu Akadosh pourquoi ça se passe comme ça vraiment. Pourquoi quand on étudie le Shulchan Aruch, il y a une réparation qui est très grande. Il y a l'idée, Hataim Nitaref Tavera. Il explique Rabbeinu que quand un homme il fait un péché, alors à cause de ça, dans le monde, il fait un mélange du bien et du mal. C'est un mélange qu'il fait. Et quand on fait un mélange du bien et du mal, on ne sait pas quand c'est bien, on ne sait pas quand c'est mal. Il y a des choses qu'on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Valide il imout posek. Et quand un homme il étudie le Shulchan Aruch, le poskim, shemevarer akasher va pasul amutar va asur ator va tamé. C'est quoi le limout du Shulchan Aruch? C'est de savoir qui est ce qui est kasher et qu'est-ce qui est taref. Qu'est-ce qui est pasoul? Qu'est-ce qui est kasher et pasoul? Qu'est-ce qui est tamé et taor? Qu'est-ce qui est pur et pas impur? Donc, quand on étudie, c'est quoi qu'on a le droit? C'est quoi qu'on n'a pas le droit? C'est quoi qui est pur? C'est quoi qui est impur? C'est quoi qu'on a le droit de manger? C'est quoi qu'on n'a pas le droit de manger? Grâce à ça, on fait dans le monde une réparation. C'est dans le monde supérieur, on fait le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Que quand nous, on a fait les péchés, on a fait le mélange du bien et du mal. Et quand on a fait le mélange entre le bien et le mal, on ne sait pas c'est quoi qui est bien et qui n'est pas bien. Maintenant, quand on étudie le Shulchan Aruch, on fait cette réparation. On remet les choses dans leur endroit. Ce qui est bien, on le met dans le droit. Ce qui n'est pas bien, on le met dans la gauche. Des zénith barer, venifra, chatov, minara. Grâce à ça, on arrive à faire la différence entre le bien et le mal. Le chamevoir, bemahamar, haïti, menorat, zahav. Tout ça, c'est écrit dans la Torah 8. La Torah, haïti, menorat, zahav, ou béchar, mahamarim, mahalat, limoula, poskim. Et dans plusieurs torahs, que Rabbeinu HaKadosh nous a parlé dans plusieurs torahs sur la grandeur de l'étude. Mais de Shulchan Aruch. Vamar, il a dit, chez Kol Ish Israeli, chaque homme qui s'appelle un homme juif, Mechouyav l'ilmod bechol yom v'yom, il a l'obligation d'étudier tous les jours, poskim, chok velo yavor, il est obligé d'étudier des poskim, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, chok velo yavor, une obligation sans la passer. Afimouanous, et même si un jour il s'est passé qu'il a eu un problème, v'en opnaï, qu'il n'a pas un seul instant pour lui. Il est mal d'alcool panim, alors au moins, ils essayent, ils font un arôme, ils baisent ma comme chez eux.
Alors au moins pour pas que la journée y passe, hein, Shulchan Aruch, au moins qu'il ouvre en plein milieu d'un livre et qu'il lit juste comme ça un séif du Shulchan Aruch pour qu'il puisse continuer à faire. Mais surtout, mais normalement tous les jours il est obligé d'étudier un pisseder le Shulchan Aruch depuis le début jusqu'à la fin. Mais comme il dit, mais si il est à nous, c'est-à-dire si il s'est passé quelque chose qu'à cause de ça il n'a pas eu le temps, alors au moins s'il voit un Shulchan Aruch qu'il ouvre en plein milieu et qu'il lit le séif qui pleut. A Fujou Shalobim Komo, même si c'est pas dans l'endroit là où il étudie. Je mets la table à Shulchan Aruch. Qui t'arrive l'élément des édines à Shulchan Aruch de Chol Yom Veyom Kolem Erev. Parce qu'on est obligé d'étudier toujours un enseignement de Shulchan Aruch tous les jours de sa vie. Ou que chez Ena Anouz, et quand il n'est pas Anouz, c'est qu'il a le temps, c'est-à-dire tous les jours, il monte qu'à Seder de Kolarba Shulchan Aruch. Alors il doit étudier le Shulchan Aruch d'après le Seder, c'est-à-dire d'après l'endroit là où il est Alef Bet Gimel. Kolarba Shulchan Aruch, mais de Yom Veyom de tous les jours, tout chez Igmor, Bissem, mais quand il va terminer tout le Shulchan Aruch, et qu'il va terminer toutes les quatre parties du Shulchan Aruch, et Arzor, Véatril, et Lamdam Kasséder, il doit recommencer dès le début, et recommencer à faire depuis le début. Et comme ça, toute sa vie, il doit se conduire. Donc, de là, on comprend et on apprend la grandeur du Shulchan Aruch. Et Rabbeinu, à tous ses élèves, il ordonnait à tous d'étudier le Shulchan Aruch, ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. À tous ses élèves, c'était une des anagotes les plus importantes. Rabbeinu nous a ordonné beaucoup, 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 surtout d'étudier le Shulchan Aruch, d'étudier le Shulchan Aruch le plus, d'étudier combien on fait, de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Maintenant, c'est écrit dans le Corvéor que Rabbeinu Akadosh, ce qui nous a ordonné d'étudier le Shulchan Aruch, c'est justement dans les endroits. Dans les endroits là où c'est un din qu'on doit faire. Mais si c'est pas comme ça, c'est écrit. Beinyan limud Shulchan Aruch au sujet de l'étude Shulchan Aruch chez Izir Admur Zal que le Rabbeinu Akadosh il nous a ordonné. Shamati b'shem Morenu Moharana, j'ai entendu au nom de Rabbi Nathan. Shaf al pished alil mod seif hadevat, que c'est suffisant d'étudier un seul seif dans le Shulchan Aruch pour sortir, pour être yotze de ce que Rabbeinu nous a dit. Mais c'est justement un séif ou c'est un psak alaha. Ça veut dire c'est un séif ou c'est un psak alaha, c'est-à-dire qu'on doit étudier, ça veut dire ça nous ordonne exactement. Mais si c'est un séif ou d'explication ou quelque chose comme ça, alors on n'est pas étudié de Roba. Ça veut dire que nous ce qu'on doit faire, c'est que ça doit être un psak alaha, ça doit être un séif de psak alaha. Shamatim aviz atzal arini kaparat mishkavo shashama mipi rabbi ozer zal. Shanashim shel admur zatzal. On a entendu de la bouche de Rabbi Ozer, c'était un des élèves de Rabbi Nathan, qu'il avait entendu que les élèves de Rabbeinu, Chebru Yachad Shtei Azarotav Shel Admur Zal, ils ont attaché les deux ordonnements que Rabbeinu nous a ordonnés. Shelo Elech Yom Echad Dijimut Shulchan Aruch, Rabbeinu nous a ordonné de ne pas d'étudier tous les jours le Shulchan Aruch et de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Vigamizir Meod Laniach Shfilin de Rabbeinu Tam. Et aussi Rabbeinu nous a ordonné que l'enfant, depuis l'âge de 13 ans, il doit mettre des tefillines de Rabbeinu Tam. Parce que, normalement, c'est écrit dans Shulchan Aruch que pas tout le monde est obligé de mettre le Rabbeinu Tam, c'est que les personnes qui sont grands, et bien Rabbeinu, il avait ordonné à tout le monde de mettre le Rabbeinu Tam, c'est-à-dire les tefillines de Rashi et les tefillines de Rabbeinu Tam, dès l'âge de 13 ans, de mettre les deux. Aller d'ensemble, une après l'autre. Alors, les élèves de Rabbeinu, ils avaient collé ces deux ordonnements de Rabbeinu, de mettre, comment ils ont fait ça? וזה ידוע שמצווה ללמוד בתפילין דרבנותם, על כן נהגו אנשים שלו שהיו מניחים תפילין דרבנותם ולמדו בהם שולחן ערוך. C'est qu'ils mettaient les tefillines de Rabbeinoutam et avec les tefillines de Rabbeinoutam, comme c'est une mitzvah d'étudier avec les tefillines de Rabbeinoutam, ils étudient avec le Shulchan Aruch comme ça, ils prennent les deux ordonnements de Rabbeinu et ils les mettent ensemble dans l'inyan du Shulchan Aruch. Donc pour résumer le inyan de Rachet Avot de Simcha, c'est Shin. Shin c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est une des choses les plus importantes que Rabbeinu HaKadosh, qui sont extérieures, qui sont faciles à faire, que c'est par rapport à nos actions. Quand on étudie, on est mekayem. Ce que Rabbeinu nous a ordonné, c'est surtout d'étudier le inyan du Shulchan Aruch, c'est d'étudier parfaitement tous les jours, de ne pas laisser une seule journée sans étude de Shulchan Aruch. Que tous les jours, il faut étudier un paragraphe ou plusieurs paragraphes de Shulchan Aruch, de l'étudier comme il faut. Pourquoi? Parce que quand un homme il fait des péchés, à cause de ça, il fait rentrer un troublement dans le monde. Que ce troublement-là, il trouble le bien et le mal. Et qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est bien, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est mal. Et à cause de ce troublement-là, alors il y a un grand problème dans le monde. On ne sait rien, on ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal. Alors il dit à Rabbeinu HaKadosh, c'est quoi cette réparation-là pour remettre les bonnes choses et les mauvaises choses?
C'est quoi hein? C'est quand on étudie les poskim, le Shulchan Aruch. Quand on étudie les poskim, le Shulchan Aruch, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Alors on fait un tikkun, une réparation dans les cieux, dans les mondes supérieurs. Et on remet tout ce qui est mal, on le met dans le droit du mal. Et tout ce qui est bien, on le met dans le droit du bien. Et on fait une différence entre le bien et le mal. Comme ça, après, dans le monde, on émet taquen on fait une réparation de tout ce qu'on a fait, comme on a fait comme problème à cause de nos péchés. Et on arrive à réparer tout ce qu'on a fait de mal et de mettre dans les endroits c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Comme ça, chacun, il sait c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Tout ça, c'est quand on étudie les Shulchan Aruch et les Poskim. C'est pour ça que c'est très important tous les jours, d'étudier le Shulchan Aruch. Jamais de ne laisser une journée si on n'a pas étudié le Shulchan Aruch. Et on raconte qu'un jour, un des élèves de Rabbi Nathan, de Rabbeinu HaKadosh, je crois que c'était Rabbi Naftali, il a fait déjà le Kriyat Shema. Il s'est mis en pyjama, il s'est mis dans son lit pour dormir, pour se réveiller à Khatsot. Il n'arrivait pas à dormir. Alors il pense, pourquoi je n'arrive pas à dormir si j'ai fait le Kriyat Shema et je veux me réveiller pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi je n'arrive pas à dormir? Et d'un, alors il a commencé à faire le Cheshbon HaNefesh. Il s'est dit, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai pas fait encore le Shulchan Aruch. Tout de suite, il s'est réveillé, il s'est rehabillé, il a étudié le Shulchan Aruch. Et après qu'il a étudié le Shulchan Aruch, il a dit, maintenant je peux aller m'endormir. Et là, il s'est endormi. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire il aimait tellement bien que son corps est devenu un corps, une chaticha d'avodat Hashem. Son corps est devenu de l'avodat Hashem. Que même son corps n'arrivait pas à dormir parce que son corps n'avait pas reçu la dose de Shulchan Aruch qu'il devait recevoir pour le jour. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à dormir. Et donc nous, on doit arriver à ça. Ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. C'est très important d'étudier le Shulchan Aruch tous les jours et de ne pas laisser. Et Rabbi Israël Ben Rodesser, il a dit, vas-y, des fois c'est dur le Shulchan Aruch, alors Baruch Hashem aujourd'hui il y a le Kitsur Shulchan Aruch. Le Kitsur Shulchan Aruch, d'abord c'est plus petit et c'est plus facile, et on est obligé de l'étudier le Kitsur Shulchan Aruch, c'est plus facile. Donc maintenant aujourd'hui qu'il y a le Kitsur Shulchan Aruch, c'est le résumé du Shulchan Aruch, on n'a plus aucun prétexte de se donner des raisons qu'on ne pouvait pas, qu'on n'arrivait pas à comprendre, ou alors des choses comme ça. C'est très très important de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Donc Baruch Hashem, une des choses les plus essentielles, les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonné, les choses les plus importantes, vous savez, encore plus, Rabbi Shmuel Horowitz, il a dit, la journée, le jour où un homme, il n'a pas étudié le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé avec Rabbeinu là, ou avec Akadosh Baruch Hu, avec Bodedou, cette journée-là, il n'est pas appelé un Breslaver. Quand un homme, il est appelé un Breslaver, c'est quand une journée, il a étudié le Shulchan Aruch, il a parlé avec Hashem. Quand il a fait ces deux choses-là, cette journée-là, il s'est appelé un Breslaver. Donc ça veut dire un homme. Donc imaginez-vous que quand on n'étudie pas le Shulchan Aruch à cause de ça, on enlève complètement tout le yinyan de ce qu'Abenu nous a demandé et nous a ordonné. Alors Yehi Ratzon, Milifna Avinu Shabbat Shamayim, que Dieu puisse nous aider, que Bezrat Hashem, qu'on puisse étudier pendant toute notre vie, jamais de laisser une seule journée sans ne pas étudier le Shulchan Aruch, que Bezrat Hashem, pour vous raconter encore une autre chose. Rabbi Nathan nous raconte qu'il y avait deux jours dans l'année où le Shulchan Aruch, où Rabbi Nathan a étudié le Shulchan Aruch pendant toute la journée. C'était quand? C'était Erev Yom Kippour et Erev Pessah. Pourquoi? Parce qu'Erev Yom Kippour, il y a tellement de choses à faire, et on doit beaucoup manger, on doit se préparer. Alors le Shulchan Aruch était ouvert toute la journée, et comme il n'avait pas le temps, une seule seconde, Rabbi Nathan, alors il allait faire ce qu'il a fait, et quand il avait une seule seconde où il pouvait étudier, tout de suite il allait voir, il étudiait une halakha, après il continuait d'aller. Quand il trouvait encore une autre seconde, tout de suite il allait dans le livre, il le laissait toujours ouvert. Et il étudiait. Et pareil pour RF Pessah, pareil, il y a plein de choses à faire. Il y a la Srefat Ramet, la Abdikat Ramet, et tout ça, il y a des choses à préparer. Alors pareil, le livre du Shulchan Aruch était toujours ouvert dans sa table, et il faisait tout ce qu'il avait besoin de faire. Quand il avait une seule seconde où il pouvait se laisser aller, tout de suite il allait voir le Shulchan Aruch, tout de suite il allait étudier, comme ça. Donc imaginez-vous comment c'était important aux yeux des élèves de Rabbeinu HaKadosh, et aux yeux des élèves de Rabbi Nathan, et surtout à nos yeux, ça doit être encore plus important. Le Inyan d'étudier le Shulchan Aruch, de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch, que grâce à ça on puisse faire tous les tikkunim qui se passent quand on étudie le Shulchan Aruch. Oui, Ratzon Bezrat Hashem, Shaniskel Asotken Bezrat Hashem. Le prochain shiur, on va parler du Mikveh, c'est la deuxième chose la plus importante, le Inyan comme de Simcha. Shulchan Aruch, Mikveh Bezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, narpaneuman.com.